Boing. 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 TV Carbone. TV Carbone. TV Carbone. TV Carbone. Bonjour et bienvenue dans le troisième Salut. Épisode de la saison de TV Carbone. Alors ce soir, nous sommes une fois de plus très heureux de vous accueillir dans nos studios de Marcinelle. Les grands studios de Marcinelle. Pour une nouvelle émission avec un paquet de contenus qui nous viennent d'un peu partout, en Belgique et en France. Avec plein de nouvelles contributions. On va feuilleter des fanzines, on va gagner des fanzines, on va découvrir des courts-métrages, on va voir plein de choses différentes. Et on aura des invités mystères. Des invités mystères. Et des surprises des à gogo, surprises comme à gogo, toujours. Comme à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Oh là 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 là. On aura aussi une annonce à vous faire concernant le prochain épisode de TV Carbone qui est déjà programmé pour le mois d'octobre. Octobre, tout à fait. Ouais, ouais, mais on en dira plus un peu plus tard. Qui est assez particulier. Voilà, on est comme à chaque fois très heureux de vous accueillir. Donc là, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec l'équipe, ça se passe dans les commentaires de YouTube. J'ai mis le petit mode d'emploi, si jamais voilà, quelqu'un ne comprend pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous créer un. Ah oui, à vous créer un compte, parce que effectivement, si vous ne comprenez pas comment ça marche, vous ne pouvez pas poser la question. Voilà. C'est vrai. Et on fait un grand bonjour à toute l'équipe, notamment aux ateliers du Tonneur, qui nous regardent depuis Bruxelles, où ils sont toujours confinés. Mais plus pour longtemps, vous en saurez plus un peu plus tard. Voilà, et donc, je ne sais pas trop, est-ce qu'on a autre chose de particulier à annoncer avant de démarrer ? Est-ce que tu veux dire un mot sur la toute première... Ah ben, je vais même vous dire un petit mot sur la toute première partie qui est arrivée avant. Donc, vous venez d'avoir votre petite musique d'attente avec des animations composées par deux de nos plus jeunes fans, Zélie et Louan, qui nous ont donné ces petites animes. On en a profité. On les remercie vivement. N'hésitez pas à les féliciter dans les commentaires si vous avez aimé. On en profite pour vous rappeler que pour chaque épisode, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer du contenu. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez une idée, à nous contacter. Hein. Ça peut être de la musique, ça peut être de une présentation d'un fanzine, d'un bouquin, ça peut être de l'animation, ça peut être... Vraiment, ou autre chose qu'on n'a encore jamais montré, si vous avez vous des Vous allez idées. Voir ici les contenus, une fois de plus. On est ouvert à toute proposition. Très varié. Et on en a aussi profité pour refaire un petit peu de promo pour le Bonjour de la Pédale qui se passe la semaine prochaine. Donc ça, c'est notre grande fête du vélo pour tous qu'on organise ici à Marcinelle. Si vous êtes intéressé, allez voir sur le site du Vecteur, vecteur.be, pour avoir les informations. Attention, cette année, il faut s'inscrire absolument. C'est gratuit, mais... Situation oblige. Voilà. vous allez également voir plusieurs contenus, je regarde parfois ma feuille un petit peu, plusieurs contenus récurrents. Donc on remercie Catherine qui nous a envoyé une Catherine Merdi précisément qui nous a envoyé une petite série de vidéos qui viendront ponctuer des petits moments un petit peu parfois rigolos, parfois poétiques, qui viendront ponctuer les différents contenus. Et on a également une sélection de petits gifs animés qui sont en provenance du collectif ou du projet Les plus beaux mouchoirs de Paris. Les plus beaux mouchoirs de Paris qui sont à Lille. Qui sont à Lille, que nous devions accueillir normalement à Papier Carbone. Cette année, eh bien,
espérons qu'on puisse le faire l'année prochaine. Alors, trêve de discussion. J'allais le dire, si on commençait. Ouais, alors on va vous introduire les deux premiers contenus. Donc, on va démarrer avec une vidéo qui nous vient du collectif Gargarisme, qu'on aime beaucoup, qui sont dans l'est de la France, le Grand Est. Je pense que leur atelier est à Strasbourg et ils nous ont concocté, donc c'est la deuxième fois qu'ils nous envoient une vidéo. Ils nous avaient fait une vidéo très très drôle avec leur chat pour le premier épisode de TV Carbone. On aime les chats. Ils ont pris goût à la production vidéo manifestement et donc ici ils nous présentent la réalisation de leur dernier fanzine. On va vous laisser découvrir ça. Et ce sera suivi d'une vidéo réalisée par Marine des Ateliers du Tonneur. Qui est allé à la rencontre de Sam Tombola, l'artiste, un des artistes, parce qu'il y a pas mal d'artistes pour le moment qui sont en résidence là-bas, mais l'artiste en résidence au Vecteur qui présentera son exposition le 11 septembre. Grosse soirée, aussi grosse qu'on peut en cette période, de rentrée au Vecteur. Exactement. Dont vous trouverez également les infos sur vecteur.be. Donc j'ai envie de dire, mais oui, on y va. Oui, allons-y, on est impatients. C'est parti, on se retrouve derrière cette première séquence. Salut Télé Carbone, c'est Gargarisme. Donc on vous a fait avec nos moyens une petite vidéo de présentation de notre atelier, atelier Garage Print situé à Strasbourg, au port du Rhin, pas très loin de l'Allemagne. Et dans cette vidéo, vous pourrez voir la fabrication de 11x14, un livre imprimé en risographie de Laurent Moreau qu'on est en train de relier et qui sortira bientôt. Voilà, bon visionnage. De cette série, c'est la découverte d'un paquet contenant une petite quantité de feuilles de papier format 11x14, un papier fin et jauni. Donc Laurent a trouvé ce papier superbe, un peu précieux et classique. Il a essayé de dessiner et de peindre dessus et il a trouvé que le rendu de la gouache noire était très bien et qu'il allait utiliser ce papier pour finaliser certains de ses croquis de carnet. Nous on a choisi de le retranscrire au bleu au risographe mais en gardant les contrastes et les réactions du papier à la gouache. Donc ce livre c'est une réédition puisqu'il y avait eu une première édition qui a été écoulée avec une vingtaine de pages et là je crois qu'il y a 58 illustrations. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ça sortira bientôt. Salut. Arrivé. Donc ça c'est avant la résidence, en vue de la résidence, et ça c'est le premier dessin que j'ai fait en arrivant ici. Et en fait je me suis dit mais ça me fait chier hein, de faire du dessin sur papier à cigarette, là je vais pas faire ça toute ma vie. Et du coup je me suis lancé dans la mosaïque, voilà, qui est un peu finalement un peu la même chose, quoi. Je fais encore du collage quoi. Voilà. Tout
tout simplement. Mais c'est plus rigolo, la mosaïque. Donc on coupe, on met de la colle, et on pose. Je crois que c'est presque aussi simple que les perles fondantes. Peut-être que c'est ça, en fait, ma conversion professionnelle, c'est de condamner à faire des salles de bain. Le totem, en fait, c'est pour commencer un peu à sortir du format carré ou de voir un peu le champ des possibles aussi. Et pourquoi pas justement faire des éléments comme ça, qui flottent un peu, quoi, où on sort un peu... on voit plus la mosaïque, en fait, quoi. Mmh. Tout simplement, on voit vraiment un dessin, mais avec une matière un peu chelou, enfin, je sais pas. Mais c'est comme le... Ouais, c'est le même principe, un peu, c'est un truc de mongol, un peu, quoi. Et celui-là encore, il aurait fallu juste un détail, et c'est con, je l'ai pas fait. C'est de faire un bout de banguette, un bout de languette, comme ça, mais un peu déchiré sur le côté, quoi. Et là, on aurait... Là, ça aurait pris tout son sens, quoi. Mais bon, souvent, voilà, hein, c'est le principe de résidence de création. On cherche, on tâtonne, voilà. Des fois, on oublie que c'est sur le feu. Du coup, ça prend feu. Et puis, des fois, en prenant feu, ça obtient une patine pas dégueu non plus. Et du coup, on se dit, bah attends, on va mieux faire. Puis finalement, c'était mieux la première fois. Et du coup, on fait autre chose. Du coup, je vais discuter avec le voisin. Du coup, la prostituée passe me racheter les brochettes de poulet. Enfin, tu vois, c'est... moi j'ai besoin de vitamines, en fait, quoi, et je trouve que là dernièrement j'ai découvert les clémentines d'Afrique du Sud, parce que normalement c'est pas du tout la saison, et elles sont incroyablement sucrées, quoi. Voilà, on a l'impression vraiment d'être au mois de décembre, alors qu'on est encore au mois d'août. Voilà, elles sont très très bonnes. T'en veux un peu? Non, c'était bon film. Moi, j'utilise toujours l'anthracite. faut pas que je regarde les caméras. C'est les amateurs qui font. Alors, ce qui est très jouissif, en fait, dans la mosaïque, c'est des fois avec un petit coup de tenaille, et ben on trouve direct l'angle parfait. Cette courbure qui vient épouser le crâne de l'oiseau. Hop. Et puis après, des fois, tu le casses sans faire exprès. En fait, je sais même pas ce que ça a donné. En fait, c'est la mosaïque, c'est vraiment. C'est un autre rapport à la couleur qui est vraiment super intéressant. Mais en fait, à chaque fois, ce qu'il y a, c'est qu'on a beau assembler les pièces, et c'est au moment où on passe le joint à la fin. Et en fait, toute la pièce prend son ampleur. Et des fois, ça marche, et des fois, ça marche pas. Enfin, là, par exemple, l'espèce de biais, ça marche pas. Et après, tu peux colorer aussi, par exemple, tes joints, comme le rond là, qui est violet. Mais en fait, tu sais jamais à quoi ça ressemble à la fin. Quoi. Et en fait, pour avoir aussi des pièces qui marchent, j'ai l'impression qu'il faut faire des formes très, très précises. Et dès que tu mets trop d'informations sur un petit support, par exemple, je pense au carré là, qui est derrière toi, par exemple. Et celui-là, il est indigeste, en fait, au final. Quoi. Il faut vraiment que ce soit des choses simples. Avec de la respiration autour, sinon, sinon ça marche pas, quoi.
Bienvenue au Studio Artus, un petit studio de création basé en France. Le studio intervient dans des domaines variés, édition, commissariat d'exposition, typographie, photographie, design graphique. Derrière Studio Artus, il y a pour l'instant une seule personne, c'est moi, Alexandrine. J'ai toujours eu une prédilection pour les éditions d'artistes, qu'il s'agisse de livres, de zines, d'affiches, de cartes postales ou d'autocollants. En fait, j'aime bien l'idée de rendre l'art et le design graphique accessibles grâce à l'auto-édition. Parmi les éditions du studio Artus, il y a pas mal de zines. Je suis actuellement en doctorat art plastique à Rennes et je travaille sur le thème des fanzines et des zines, donc il est naturel en fait pour moi d'en créer. Donc sur tout ce qu'il y a sur la table, il y a notamment un fanzine qui me tient à cœur, c'est Sans Sérif. Donc Sans Sérif, en fait, c'est un fanzine sur la typographie, les différentes familles de caractères et l'importance de la typographie au quotidien, notamment au sein de la pop culture aujourd'hui. Les premiers numéros sont consacrés aux familles de caractères, c'est ce qu'on appelle la classification Vox, donc les réales, les humanes, les garaldes, les didones, les incises et les linéales. La première page détaille sous forme de liste les caractéristiques de chaque famille. Ici, on a par exemple la famille des linéales. Donc la première page va détailler toutes les caractéristiques de cette famille de caractères. Les autres pages sont illustrées par des lettres que j'ai inventées à partir d'un alphabet de la famille en question. On s'éloigne un peu de l'alphabet traditionnel. Ici, les lettres deviennent plus des symboles, des signes visuels. Ces lettres sont également disponibles en affiche, puisque Sans Sérif, le fanzine Sans Sérif, tout comme le fanzine Under, font partie d'un ensemble, d'une collection que j'ai nommée Archipo et qui interroge les relations entre la typographie, la photographie, l'architecture et le noir et blanc. Les prochains numéros de Sans Sérif seront consacrés à l'importance de la typographie dans la pop culture, par exemple dans des séries comme Peaky Blinders ou American Horror Story, ainsi qu'aux histoires de quelques polices de caractère en particulier comme la Cooper Black, qu'on appelait la Black Menace en son temps. Si cela vous tente, vous pouvez gagner un exemplaire de deux numéros de Sans Sérif, c'est-à-dire les linéales et les Géraldes, ainsi qu'un exemplaire de Under, celui sur le brutalisme, où on retrouve notamment l'importance de la typographie et de la photographie. J'ajouterai également quelques petits goodies, des autocollants, des cartes postales, faits maison. Donc pour cela, vous allez sur le compte Instagram @studio.artus, vous commentez sur la photographie de ma publicité pour TV Carbone, je ferai un tirage au sort des commentaires la deuxième semaine de septembre. Donc si vous aimez le noir et blanc, la typo, la photo, l'architecture, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail studio.artus@gmail.com. Bye! Salut. Alors, nous reprenons l'antenne, j'espère que cette première séquence vous a plu. Et alors, je voulais vous dire que ce soir, la technique est gérée par Céleste. Céleste, c'est notre double super stagiaire. Double super stagiaire, pourquoi ? Parce qu'elle fait un stage à Papier Carbone, 6001, Vénumélie 60, tous nos machins ici à Charleroi, et aussi un stage aux Ateliers du Tonneur. Donc forcément, elle gère tout TV Carbone pendant 4 mois complets, c'est l'idéal, on l'adore. Et puis, regardez-moi ce beau sourire, elle est superbe. Alors, donc voilà, maintenant, nous avons une surprise pour vous ce soir. Nous avons agrandi les studios de Marcinelle et nous avons un petit salon où ce soir, vous allez pouvoir rencontrer notre invité mystère. À l'antenne, c'est à vous! Et oui, nous voici dans le salon de TV Carbone, donc bien équipé de sa petite plante, de son invité mystère. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple, nous avons aujourd'hui une proposition à vous faire. Nous avons reçu de plusieurs artistes des fanzines que nous voudrions vous faire gagner et que notre invité mystère va vous faire découvrir. Le but du jeu, pour pouvoir gagner ces fanzines, et de découvrir l'identité secrète de l'invité mystère.
nous égrainerons peut-être quelques indices si besoin. La participation, elle est simple, comme à chaque fois. Un email à coucou@papiercarbone.be. Si vous ne devinez pas l'identité de l'invité mystère, mais que vous désirez quand même participer au concours, bah, vous pouvez toujours inventer une autre genre de réponse. Après, vous savez qu'on est plutôt ouvert sur la question. Le premier fanzine que l'invité mystère va nous faire découvrir nous vient tout droit de Namur. Alors à Namur, il n'y a pas que des escargots et un confluent. Il y a également un collectif qui s'appelle Choc et Ennui, dont vous avez pu découvrir une vidéo dans la dernière édition de Papier Carbone, qui nous avait fait beaucoup rire. Et Jérôme et Harmonie nous ont envoyé un gros paquet de fanzines. On a décidé de les distribuer un peu au fur et à mesure des éditions. Et donc, on commence aujourd'hui avec le premier fanzine. Le voici, Nicolas. Bonsoir, avant tout. Je dois dire que je me sens totalement mystérieux. Et pour moi qui aime être discret, je pense que ça prend tout son sens. Donc voici ce fanzine. Il s'intitule Johnny Flash Tattoo. Donc vous venez de nous le dire, créé par le collectif Namur Choc et Ennui. Il est consacré intégralement à la personne de Johnny Hallyday, ce chanteur bien connu qu'on adore et auquel on pense. Un magnifique fanzine, je me rapproche un petit peu, je me permets. Je vais aller zoomer un petit peu. Allez zoomer, voilà. Nicolas. Hop. Ouais, il est doté d'une reliure japonaise en laine. Et la référence est explicite puisque Johnny, on le sait, était très, très apprécié au Japon. N'est-ce pas, Nicolas? Donc, il est constitué d'une foultitude de... une foultitude d'illustrations. Ce sont des illustrations, je crois, destinées à être reproduites sur de la peau humaine, hein, ce qu'on appelle des tatouages. Et ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Il y a énormément de participants. Et vous pouvez voir que la qualité, Nicolas, est véritablement au rendez-vous. Donc, je vous propose de regarder encore quelques images et de baver encore. Voici, il y a du contenu. En veux-tu? En voilà. En voilà. Eh bien, on remercie très sincèrement Jérôme et Harmonie pour ce don aux téléspectateurs de TV Carbone. Si vous avez besoin d'indices, n'hésitez pas à vous rendre dans le chat où on vous aiguillera vers le gain probable de ce fanzine. Et on vous retrouve tout à l'heure. Alors on va lancer la suite des contenus. Je vous souhaite un bon visionnage de la suite. On se retrouve après. Bon visionnage. Merci à tous. Qu'est-ce que c'est que l'avenir ? Le premier numéro de l'avenir s'inspire de la 7e arcane majeure du tarot de Marseille, le chariot, ici illustré par Georges Dinkiku. L'avenir a eu l'honneur d'entendre sa bande-son composée par Léa Roger avec le morceau Arcane 7 2020 CD3 versus Starlink que vous pouvez entendre en ce moment. Bienvenue à bord de l'avenir. Le chariot évoque la lutte triomphante, le voyage, l'équilibre, le pouvoir du mental, le mouvement ascendant, la transformation rapide, l'action, avec une élue de Marine Galouedec. L'avenir a invité le Mexique avec Cachas Cachcan du Distrito Federal de México et Marine en couleur sur la page de droite. Ici un rêve de Kenny Osier-Lafontaine, illustré par Katia Ben. À gauche, une interprétation du chariot par Elsin Quintin, en direct d'Odessa, rencontre la deuxième proposition du Chilango Cachas Cachcan. Ici, Léonore F. évoque la lutte triomphante et l'illustre. Junon et l'animaté. Une version de l'arcane majeure par Charlotte Crash. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ?
Oh, wow. Bonus transformation rapide. Wow, c'est super. Youpi. Génial. Oh, mais on dirait bien un puzzle à découper soi-même. Incroyable. Haïku de Tiffen, photo de Léo. Une interview de chat, de Refurin Kitsune, mais également de Scrabucha Oulem, qui interprète sur la page de droite le mouvement ascendant. La réponse à la transformation de Johan Labeille depuis sa retraite thaïlandaise. Intervention de Ivan Frigo et Vassiliak, Ukraine, et potion magique de Stéphanie Vérin. Seconde proposition du duo ukrainien, et à droite, notre guest star, Nico Saint-James, d'Ultra Vénère et du Petit Pangolin. Ici, la nouvelle Le Conducteur, proposée par Antonin Druard, qui est en fait le premier épisode d'une série longue à venir, illustrée par Guillaume Bouche de Bruxelles. Donc oui, vraiment, un très grand merci à tous. On vous souhaite un avenir brillant. Petite Ibu de Nouche et Tiffen. Les Solus et le tuto de Max. Et enfin, après la liste de nos invités, vous pouvez admirer notre formidable numérotation à la main. Un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Les forêts tropicales situées près de la côte sont un paradis pour la vie animale. La pluie continuelle donne à la forêt sa luxuriance et sa plénitude. Des créatures rares et étranges y vivent. Une grenouille mâle courtise une femelle. Avec son chant monotone, il tentera de l'inciter à le suivre sous une feuille où ils s'accoupleront. Beaucoup de serpents sont attirés vers la flaque où les grenouilles pondent. Il mange presque tous les œufs. Pour se dépouiller de son ancienne peau, le serpent frotte son corps contre les surfaces rugueuses dans la litière de feuilles. Les boas sont capables de s'empiffrer. L'oiseau est plus gros que sa tête. Mais le boa dégage les os de sa mâchoire et peut avaler sa proie. L'iguane trouve dans ses forêts luxuriantes un habitat agréable. L'iguane utilise la couleur pour se camoufler, passant rapidement d'une belle couleur verte à un noir et blanc agressif. Le hochement de tête indique une excitation encore plus grande. Les hurons sont parmi les locataires habituels de ces lieux tranquilles. Le mâle et la femelle s'occupent tous les deux de couver les œufs. Ces chauves-souris couvrent un vaste territoire, cherchant l'odeur des fruits trop mûrs. À l'aube, elles retournent se jucher à la cime des arbres. Les crabes ont rapidement colonisé ces rives boueuses. Les mâles arborent une large pince ainsi que des yeux haut perchés pour voir venir de loin. Les ouvrières d'une colonie de fourmis récoltent des feuilles pour les ramener à leur nid. Avec leur mâchoire en ciseaux, elles découpent facilement les feuilles à une taille convenable.
les gibbons se déplacent à travers la voûte aussi aisément que le puma dans les sous-bois. Mais les forêts disparaissent. Et avec les forêts disparaîtront des centaines de milliers d'uniques et irremplaçables formes de vie qui ne peuvent se maintenir nulle part ailleurs. Bonjour, je suis Maud d'Allemagne. Et moi, c'est Nicolas Belaïev. Ensemble, nous sommes les Tontons Racleurs. Dans un monde moderne où la surveillance devient omniprésente, où le traçage devient généralisé, votre vie privée est de plus en plus menacée. Entre la reconnaissance faciale, le profilage sur Internet, il est de plus en plus difficile de préserver votre intimité. Que vous désiriez simplement retrouver vos proches pour un moment de convivialité, sans vous faire dénoncer par un voisin jaloux. Passer inaperçu aux yeux de votre employeur pour bénéficier d'un peu de repos bien mérité ou éviter le regard des drones, nous avons la solution. Appareillage sauvage est une collection de vêtements dédiés au camouflage urbain. Ils sont coupés dans un calicot de coton non blanchi en provenance de Mondial Textile à Gosselies, imprimés à la main dans notre atelier et cousus main au fil Gutermann par des couturiers amateurs à Marcinelles. Nous proposons une série de basiques qui conviendront tant aux travailleurs urbains qu'à l'amateur de loisirs sportifs. Des pièces qu'on peut porter tant au bureau que pour faire des courses dans son échoppe préférée. Fatigué des vêtements trop petits, trop grands, trop sérieux, trop sportifs? Nous avons une solution pour vous. Les pièces appareillage sauvage se portent en total look ou en mix and match avec vos basiques adorées. Attention, nous avons aussi pensé à la sécurité. Nos masques FFP5 assurent à la fois une sécurité contre tout danger viral et bactériologique, mais vous assurent également un complément d'anonymat. Et parce qu'une garde-robe digne de ce nom serait incomplète sans un bagage adapté, nous vous proposons le Maxi Tote Bag géant. Assez grand pour y glisser, 8 litres de gel hydroalcoolique, une dizaine de briques ou 2 bottes de poireaux. Alors vous aussi, gagnez en style, en confort et en anonymat. Et adopter le look appareillage sauvage. Attention ! Spécialement ce soir, dans le cadre de TV Carbone, nous avons un masque FFP5 à vous offrir. Envoyez votre adresse postale sur notre super email super sécurisé bonjour@lestontonracleurs.be pour tenter votre chance. À bientôt. Coucou, c'est Corinne. Alors, je suis très heureuse d'avoir été invitée ce soir dans l'émission TV Carbone pour vous parler de mes petits produits. Vous avez justement vu dans la publicité précédente des Tontons Racleurs un placement de produit. J'adore le placement de produit. Et comme je sais que vous aimez mes produits également, je vous convie la semaine prochaine pour une vente rentrée scolaire spéciale d'occasion de circonstances. Et cette vente se passera dans nos ateliers à Marcinelles, à savoir, j'ai entendu dire, dans ce studio même de télévision. Et comme vous avez pu remarquer, dans cette émission de télévision, nous aimons les cadeaux, nous aimons vous en faire, eh bien, j'ai à vous offrir un superbe kit rentrée scolaire, un cahier, un bic, un crayon, un taille-crayon et une gomme que vous pouvez voir en détail ici. Pour pouvoir gagner ce merveilleux kit de rentrée scolaire, envoyez-moi un email à coucou@corinne-vent-des-trucs.fun. Et puis surtout, soyez disponible samedi prochain pour venir récupérer votre cadeau lors de la vente de papeterie rentrée scolaire. À bientôt!
Ben voilà un bon plan, tiens. Incroyable. Je suppose que vous voulez tous un costume en briques. On n'a pas les masses à vendre. J'en profite pour envoyer un grand, grand merci à Clotilde Ferril qui a cousu les deux vestes. Les pièces qui sont les mieux finies de, tout le, de toute la série, parce que le reste, c'est moi qui ai un petit peu improvisé les coutures. On a également pu voir une vidéo de Zorobabel, hein, comme la dernière fois, donc, qui nous ont filé plein de leurs films d'animation qui sont vraiment, vraiment cool. Celui-là, c'était un peu un plus ancien, parce que ça fait vraiment des années qu'ils travaillent sur le sujet, et à chaque fois, il y a vraiment des chouettes, chouettes surprises. Donc n'hésitez pas à aller découvrir leur boulot, Zorobabel. C'est vraiment super également. On va enchaîner donc, juste après ça avec la présentation d'un fanzine. Alors là, l'équipe s'est vraiment donnée. Ils sont rentrés dans le jeu. Ils nous ont fait une petite séquence super. Donc c'est un fanzine tout nouveau qui s'appelle Moule Frite. Et vous allez découvrir, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment, ça parle de soi. Et puis on enchaînera avec une petite vidéo sur la résidence actuelle aux Ateliers du Tonnerre, vidéo réalisée par Pauline, Marine et Céleste également. Et on pourra ensuite terminer cette petite séquence qui nous vient avec un petit moment tutoriel atelier. Et là, c'est Juliette de Bruxelles qui nous a fait un super atelier de saison. J'en dis pas beaucoup plus, vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Je rappelle que si vous désirez gagner le fanzine de Choc et Ennui, il vous suffit d'écrire à l'adresse coucou@papiercarbone.be et de révéler l'identité de l'invité mystère. Bien, je pense qu'on est prêt, du coup, pour vous envoyer... Alors, c'est là que je ne dois pas me planter. Le groupe 3. Voilà, j'y vais. On vous retrouve derrière et on vous souhaite un bon visionnage. Attention les filles, aujourd'hui c'est le grand jour, on est prêtes ? Oui chef ! Allez, allez, on envoie ! Oui chef ! La cuisson, vous en êtes où ? 2 minutes chef ! Les tétons bien fermes, hein ? Oui chef ! Farandole de moule marinière à l'émulsion de persil sur lit de pommes frites fraîches. Bonne continuation.
moules frites, à consommer sans modération. Les ateliers du tonnerre, un lieu normalement si animé, si joyeux, se trouve désormais délaissé. Il n'a pas été épargné par cette crise socio-économique sans précédent. Seule une âme y réside, celle d'Elise Mumber, qui a su garder le sourire, même pendant cette catastrophe historique majeure. Mais rassurez-vous, Elise travaille en toute sécurité grâce à sa bonne humeur et à sa bienveillance. Voilà les trois étapes indispensables pour imprimer sans mourir. 1. Bien désinfecter les lieux. 2. Nettoyer les claviers avant de les utiliser. 3. Stériliser les rampes d'escalier. On va préparer de l'encre de sureau et pour ça on a besoin de baies de sureau qu'on va égrener à la fourchette dans un bol si possible un peu plus grand que celui-ci. On choisit des baies comestibles ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance vu qu'on ne va pas les manger. Donc on choisit les baies qu'on trouve à proximité. On verse 100 ml d'eau dans une bouilloire et on va faire chauffer ceci tranquillement. Salut. Au niveau des ingrédients, on a besoin de 100 g de baies de sureau comestibles ou pas, d'un sachet de thé noir, de 10 g de poudre d'alin, d'un peu d'agar-agar, de 100 ml d'eau qu'on aura fait bouillir. Alors au niveau de la poudre d'alin, ça se trouve en pharmacie, à peu près 3 € les 10 g. L'agar-agar, ça va remplacer la gomme arabique. Moi, j'en ai pas trouvé, mais si on a de la gomme arabique, c'est encore mieux. C'est ce qu'on recommande dans la recette ancestrale. On écrase ces baies de sureau délicatement à la fourchette. Est-ce qu'on a besoin d'une fourchette dorée pour cette opération? Non, mais c'est plus joli. On obtient une petite miche popote qu'on va verser dans un récipient qui résiste à la chaleur. Et on va couvrir tout ça de 100 ml d'eau bouillante. Donc 100 g de baies de sureau, 100 ml d'eau bouillante et on touille. On verse ensuite le sachet de thé noir. Le thé noir va infuser et renforcer la couleur de notre encre. On touille encore. Et si on estime que le mélange est un peu trop épais, on ajoute encore un peu d'eau bouillante. On fait ça un peu à pouf. En tout cas, moi, je fais ça à pouf. On chauffe encore quelques secondes pour obtenir une compotée. On patiente 12 heures et on obtient un jus extrêmement concentré.
un jus qu'on va filtrer très délicatement. Ça tâche très fort, donc on fait gaffe. Et on n'a pas envie d'en perdre une seule goutte. Donc, à nouveau, on filtre à la fourchette. On fait ça en plusieurs étapes pour vraiment tout récolter. Et si écraser ne suffit pas, eh bien on sacrifie un morceau de tissu et on presse à la main, histoire d'avoir les ongles et les paumes bien dégueulasses. On obtient un petit brouhaha comme ça, un petit brouhaha tout sec et un très très joli jus bien concentré. Un jus auquel on va ajouter une pointe de couteau d'agar-agar. L'idée, c'est pas du tout de gélifier le mélange, juste de lui donner une toute petite texture. Et on verse aussi les 10 grammes de poudre d'Alain. Alain, A-L-U-N, hein, pas Alain, comme tonton Alain. C'est de la poudre d'Alain qu'on obtient donc en pharmacie. Et puis on touille. On a obtenu une magnifique encre qu'on va verser dans un joli contenant. On peut aussi utiliser une seringue et remplir des cartouches d'encre qu'on aura récupérées si on a vraiment que ça à foutre de sa journée. Voilà le mélange d'une couleur magnifique. Et si on veut pousser l'expérience plus loin, on peut aussi fabriquer sa propre plume. Donc on prend un petit morceau de bambou, on taille en biseau, on va égaliser la pointe pour que le trait soit parfait. On taille une toute petite encoche qui va permettre à l'encre de pénétrer les fibres du bambou et de faire office de plume. Et quand c'est fait, le test final, l'encre est magnifique, la couleur est intense. La couleur va perdurer puisque la poudre d'Alain va fixer cette couleur pendant très longtemps. Ça sent super bon et on est très très content. Nous revoici avec toujours l'invité mystère qui va nous présenter évidemment un second travail. Comment ça va, invité mystère ? Ça va très bien, Nicolas. Je me porte comme un charme. Comme un charme ? Oui. Formidable. Et je commence à me dévoiler petit à petit. Alors, on envoie un grand coucou à Juliette et on la remercie pour son tuto pas piquer des verres, son tuto de pré-automne, hein, où on va pouvoir bénéficier du... des petits fruits des arbres pour se mettre à dessiner. Ça, c'est plutôt bucolique. Si vous étiez un petit peu dans la misère par rapport à l'identité de notre invité mystère, on peut vous donner un indice. Il a été interviewé dans l'épisode numéro 1 de TV Carbone. Donc, il est encore temps de courir voir les archives qui sont sur YouTube. Tout à fait. Alors, on va présenter cette fois-ci non pas un fanzine, mais une série de 3 fanzines qui nous ont été... donné par Alain Prudhomme, qui nous a fait parvenir ses fanzines qu'il avait réalisées pour les montrer à Papier Carbone. Donc c'est vraiment une série de fanzines qu'il avait préparées pour l'occasion. Invité Muster, peut-on en savoir un peu plus ? Tout à fait, Nicolas. Eh bien, c'est une tripotée, donc il y en a donc 3. Tripotée de fanzines de type photographique, qui représente... des personnes dans des transports publics. Des très très chouettes photos. À travers l'Europe. C'est de Alain Prudhomme. Hein. Je ne me rappelle plus. Toujours d'Alain Prudhomme. Si vous l'aviez dit. Effectivement, chaque cliché est bien d'Alain Prudhomme. Il représente un certain nombre de personnes, de type humanoïde, de personnes âgées également, qui sont souvent assises. Dans des transports en commun. Dans des transports, oui. Dans des équilibres plus ou moins instables. Et ce sont de très beaux clichés. Je vous soulage de cela. Soulagez-moi. Ce sont de très beaux clichés. Voilà, on est sur une impression, impression jet d'encre, reliure cousu main au fil, hein, avec une impression de couverture sur un papier. Donc un camailleux de papier un petit peu dans des coloris naturels, un peu craft comme ça. Sensible. Ouais, format à peu près 45 tours. Ouais. Donc si vous voulez les gagner, un petit email à coucou@papiercarbone.be, précisez que c'est ces fanzines que vous désirez gagner
et essayer de deviner l'identité de notre mystérieuse invitée mystère. Voilà. Je vous porte, Nicolas. Alors, je vous rends les fanzines, merci. Je profite de ma présence ici pour donc vous rappeler un petit peu le programme de votre week-end prochain. Donc samedi, vous vous rendez ici à la rue César de Pape numéro 28, sauf qu'en fait la rue César de Pape s'appelle maintenant la rue Eugène Hins. C'est toujours numéro 28, c'est toujours à 6000 Marcinière. Et vous pourrez y acheter des trucs à Corinne qui fait sa petite vente de rentrée. Ensuite, le dimanche, eh bien, on enfourche sa bécane et on se rend au bien grand jour de la pédale. Cette année, magnifique affiche réalisée par Céleste, toujours notre stagiaire à tout faire. Bravo, on a bien profité de sa présence et on n'est pas prêt de s'arrêter. on enchaîne ensuite avec trois nouvelles séquences. La première est une séquence qu'on a appelée... Donc on a fait un peu des catégories en fait. Et la catégorie de la prochaine séquence... C'est la catégorie feuilletage de fanzine. Et on va donc feuilleter le fanzine, un fanzine de Céline Gay. Alors Céline Gay, elle nous avait envoyé une vidéo déjà pour l'épisode 2. Céline Gay, elle est basée en France et elle fait vraiment des très très chouettes bouquins, très sensibles, avec vraiment un bel œil. On aime beaucoup son travail, donc on est ravis de présenter à nouveau un de ses ouvrages. Et on enchaîne ensuite avec, là c'est notre catégorie Top Motion, qui est un film d'animation réalisé par Luna Filippini. Alors Luna Filippini, c'est une jeune illustratrice, graphiste et animatrice qui est actuellement en train de terminer ses études à l'école de la Cambre à Bruxelles et qui nous avait fourni un petit court-métrage qu'on a passé dans le précédent épisode et qu'on, cette fois-ci ici, on va voir un métrage un petit peu plus long qui fait à peu près 5 minutes et qui était son travail de fin d'année de l'an passé, si je ne dis pas de bêtises, et très très chouette film. Et puis après ça, là on passe dans une catégorie qui sera la catégorie lecture / karaoké. Et là, je vous laisse découvrir, c'est un travail de Sophie Onoff, et c'est bien bien barré. Donc, on peut lancer la séquence suivante, et on se retrouve derrière. Hier, j'ai enjambé l'horizon, le terme de ces heures alignées à gravir des rocailles, à s'enrouler les pas dans des sentiers qui grimpent en pente douce, puis le grondement de cloches sans origine qui ricochent de paroi en paroi. Dans un bosquet, le silence se pétrit. Au croisement, j'ai tourné à droite. Le paysage gonfle en moi, il me colonise, s'étire, s'étend. Il bâille en moi, comme une faille par laquelle on apercevrait, pour la première fois, la mer. La réalité et la réalisation de ses rêves semblent si lointaines et si réalisables lorsqu'on est petit. Certains veulent devenir pompiers, policiers, pirates. Certaines veulent devenir sirènes, vétérinaires, chanteuses, actrices. Moi, je voulais être une princesse. Je vous parle d'une princesse actuelle, celle qui fait partie des gens pour qui l'argent coule à flot dans les milieux mondains. Que tout le monde regarde, aime, admire, désire. Celle qui a beau être dans une marée de monde, c'est elle qu'on regarde, c'est elle qu'on remarque. Celle qui nage dans un océan de bonheur.
pense pas que j'avais quoi que ce soit d'une princesse. J'étais belle, très belle, c'est déjà ça. Mais mon mode de vie ne ressemblait en rien à tout ce que j'annonce ici. Quand j'étais petite, je vivais dans un aquarium avec ma famille. Un aquarium trop petit, entassé sur de nombreux autres similaires aux miens. Je me souviens de cette femme à la télé. J'avais 15 ans. Elle, un magnifique collier de perles et des gants en cuir. C'était une princesse. Elle avait cette belle voiture. Elle avait plein de thunes. C'est là que j'ai eu le déclic. Il fallait que moi aussi j'aie plein d'argent, comme elle. Ce serait mon ticket le plus direct vers mon rêve le plus cher. C'est ça qui ferait de moi une princesse. Venant de mon milieu, vous savez, c'est difficile d'entrer dans la sphère mondaine. Mais je le voulais à tout prix. Je faisais plein de petits boulots. J'ai commencé par être caissière, serveuse, babysitter. Mais c'était pas assez. J'ai compris que je devais vraiment mettre les bouchées doubles. Il fallait que je prenne le large et que j'aille trouver du travail ailleurs, mieux payé. Je prenais toutes les petites annonces qui pouvaient faire que j'amasse de l'argent. Mais malgré mes efforts, je faisais toujours partie du limon du peuple. J'avais rien et mes rêves s'enfonçaient peu à peu dans les abysses. Dans ma galère, il arrivait que j'ai un peu de chance, comme les fois où je tombais sur des annonces de figuration. Comme j'étais jolie, ça marchait bien pour moi. Je gagnais un peu d'argent sans faire grand-chose et on me voyait. Puis un jour, un des gars qui travaillait sur le film dans lequel je figurais m'a accosté et m'a parlé d'un tournage sur lequel il travaillait, en me disant que j'avais le profil parfait pour le rôle principal et que c'était grassement payé. J'étais attirée par la récompense à la clé. J'ai accepté. J'avais assez d'argent pour être vue comme une mondaine, j'ai mis les voiles et je suis rentrée chez moi. J'avais plus d'argent que je ne l'avais jamais espéré. J'étais pleine de parures dorées. Je pouvais même entrer là où j'avais jamais été. J'ai pas été accueillie comme une princesse, une duchesse ou quoi que ce soit de respectable. J'avais bien tous les regards sur moi, on me remarquait, mais c'était pas l'image d'une princesse que je renvoyais. Je me prenais un tsunami d'insultes en plein visage. J'avais touché mon rêve du bout des doigts. J'étais si proche. Leurs visions sont devenues ma réalité. Ils ne m'ont pas laissé le choix. J'aurais mieux fait de vouloir être sirène, vétérinaire ou chanteuse. Je suis coincée dans un monde que je n'ai jamais envisagé ou désiré. Adieu, princesse. Je serai à jamais la petite...
Oui, mais moi, petit coco, j'ai un bus. Attachez-moi ces putains de t-shirts. Qu'est-ce que tu fais avec un t-shirt? J'ai même un short à fleurs. T'as déjà mis blindé ce matin. Tu veux un peu de mousse? Y'a personne qui a un mouchoir. Je suis pas obligée de voir tout ce que t'as dans ton sac. Tu te grosses en coiffure parce que le gel attaque l'unité capillaire. J'ai plus de cheveux, y'a plus de place, tu crois à ça? Il paraît qu'on a plus de secrets. Quoi? Ben non. Allez, dis je, tu sais faire une tête normale? Aïe, 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 maison blanche. Moi, je me maquille une fois le matin avant de venir voir le château d'eau. Parfois, il me dit, range-moi ton maquillage. À fond! Lolo, si t'as des écouteurs, on peut fumer, tu dois passer ta tête par là. J'ai la même en gris chez moi, il a sorti sa perruque, et c'est vrai que t'es jolie, hein, Céline. Otini, Otini! Daniel chante dans ma tête. Merci, merci, bonjour. Voilà, Didier. Je t'écoute, Céline. Quand on s'emmerde, c'est qu'on n'a pas trouvé sa bite. Quand je regarde Dirty Dancing, ah, ah, c'est quoi, Bogo? Tu me bourres dedans, je te bourre dedans. Et d'abord, le rock'n'roll, c'est le twist, copain. Je comprends rien de ce qu'il dit, alors mets ta mallette dessus. Tu vois, à l'hôtel, tu t'énerves super vite. Joe, il t'appelle, c'est chez mes grands-parents. Hé, on dirait que c'est chez moi. Si, j'habite dans une prairie, ça donne chaud. On arrive chez moi, je te dis, mais enlève ton oreillette si tu veux avoir ma maison allumée. Tais-toi un peu. Tu peux m'emballer, mais baisser ta musique, sinon je te pète la gueule, connasse. Image nage dans le wagon. T'aimes le reflet du train dans la boue, il bousille un travail en deux secondes avec les betteraves. Non, mais c'est sérieux, je suis en balle là, on l'a regardé hier, mort défoncé, on l'a trop trippé, file-moi des gouttes. Oh, des tags, des tags, des tags. Je suis sûre que c'est toi, ça pue vieux paix, et t'es pas obligé de crier à cause de mes oreillettes. Cali, elles sont bréro. Et quoi, c'est parti, tout le monde joue. La dame veut passer dans le wagon, entend mon rire déployé, mon appel à ta roue de pan. Regarde-moi, il m'a jamais touché le cul. Si j'ai froid, tu me prêteras autre chose. Écoutez tous ma gorge ouverte, que je suis laide, quelle idée de mettre des gros pulls en cannabis, je suis cool. J'ai une annonce à faire, mais personne n'entend donc. Ma fille, si t'aimes pas ça, on est où ici? Arrête de couvrir mon rire de gorge, tu crois qu'elle parle de moi? La femme derrière va encore s'énerver. Wouah! C'est pas grave, Lolo, tu peux me caresser les pieds. Et quoi, tu veux pas venir avec les gars? On va se caresser les pieds, je sais pas quand je reviendrai. Joe! Ça m'arrange pas, mais ma touffe de cheveux m'obsède, tu m'obsèdes. Les gars, entendez mon chant de fleurs humides, je suis humide et pleine d'espoir. Les vieilles aussi veulent crier qu'elles sont humides. Elles te ressemblaient. Oui, mais lui est plus écrasé ici. Je ne crie plus, mais mon maquillage outra, je m'évoque. Je me tape des infirmières dans les placards. Passe ton bras, elle t'a dit évidemment, si elle l'a pris encore avec dans son lit, c'est un peu mal barré. Elle est vraiment. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fermez la fenêtre, on n'entend plus ma gorge déployée. Oh, elle cartonne, ça s'enlève pas tout seul, le jouy séché. Elle t'a dit qu'elle expliquait que sa nuque est bloquée. Hide, rain, race, crack. Il n'a pas attendu assez longtemps qu'elle soit bonne, il débute dans la désillusion. Tout est toujours bazardé. Moi pas, je suis maquillée. On te ferait bien des bottes de paille, ça coûte 15 000 balles, ça coûte super cher, cher parce qu'on est con. Mais j'utilise des bons dans les journaux, chacun un genou ou assis dans un bac. À mon avis, elle le met dans son lit, tu vois, moi je veux pas le faire, l'autre doit le sentir. Ils avaient peur de la femme catcheuse, je désinfecte mes rides tous les soirs, ils me regardent plus méchamment. Et puis après, ils m'ont demandé de prendre une pilule, c'est de la bombe atomique, mes enfants. Chic, on s'était caché. Aucune éducation, VIP. Oh, je suis con, c'était caché. En fait, il y a deux blondes qui freinent dans le moteur de mon corps. Vous regardez parfois, vous avez pas une blague, ça pue, je pute. Je crie encore un peu, je vous plais. Mon criard met mon cul devant toi. Hé, motivé, Lolo, je suis en bad boy, mets l'image, regarde aller. J'ai besoin de dessus, saute-lui dessus, Daisy, je sens l'alcool ainsi à la pêche, je vais me péter la gueule, je pue le déodorant et la grosse verte. Gnac, gnac. Nous revoici. Alors, dans le studio de Marcel. J'ai pris un truc que j'avais envie de vous montrer vite fait. C'est le Reflet, c'est la nouvelle édition du. Ben, c'est un peu le collectif qui est à la base de la revue Quiztax, mais ils font aussi des choses un peu différentes. Un peu plus adulte. Et le dernier épisode, enfin, le dernier numéro, s'appelle Le Reflet. C'est vraiment super cool, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Vous pouvez suivre, c'est Quiztax Collectif. Et donc, ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas s'il en reste. En tout cas, nous, on en a un. Et voilà, je sais qu'il y a des images à voir sur Internet. Très bien imprimé aussi par Harry Studio. On en profite pour leur faire un coucou. Donc ça, c'est un peu... Il y a Fanny Dreyer, il y a... Adrien Herda, Antoine Bout, Félicité, Harrison, Sarah Chevaux, Philippe Fontana, plein de gens que vous avez déjà vus d'une manière ou d'une autre passer dans TV Carbone. Donc, grosse recommandation, n'hésitez pas à acheter ça. Alors aussi, petite dédicace à Jean-Chat qui se manifeste depuis tout à l'heure et que vous pouvez entendre en arrière-fond. Donc, nous la saluons et elle vous salue aussi. Ouais, ouais, bah écoute, les chats et Internet, hein, ils sentent ça. On voulait vous parler un tout petit peu de l'épisode 4, du coup. Le mois prochain. Le mois prochain. Tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Eh bien, le mois prochain, précisément à la mi-octobre, donc je pense du 14 au 16, c'est au 14 au 17, du 14 au 17 octobre, exactement, j'avais un petit trou de mémoire. De nouveau au Vecteur à Charleroi, donc on vous a déjà parlé plusieurs fois du Vecteur, mais bon voilà, on vous avez déjà vu plusieurs fois passer nos petites pastilles 100% copinage, on continue.
Et du 14 au 17 octobre, au Vecteur, il y aura le festival Livresse. Et nous sommes cordialement conviés lors de ce festival Livresse pour une émission en direct live de TV Carbone dans la grande salle donc, du Vecteur avec un vrai public. Les infos suivront plus en détail. Vous pourrez nous envoyer un message pour pouvoir venir assister en direct live de l'émission. Mais donc, ce sera assez exceptionnel et ce sera précisément le jeudi 15 octobre en début de soirée. Sauf si c'est le 16. Non, c'est tout à fait le jeudi 15 octobre. Là, cette fois-ci, je suis sûre de la date. On est catégorique. D'accord. Donc, on emmènera notre plante en plastique et notre équipement. Et vous pourrez, nos chaises, peut-être, qui sait. Probablement, moyennant une réservation par email, venir faire partie du public. Donc, n'hésitez pas. Ce qui veut dire aussi que vous avez maintenant la date du prochain épisode. Donc, on attend toujours avec grand plaisir vos contributions en tout genre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à coucou@papiercarbone.be et nous serons ravis de les recevoir. Alors, petit récap, on a eu plusieurs concours aujourd'hui. Hein. Donc, pour gagner les fanzines de Choc et Ennui et de Alain Prudhomme, il faut écrire à coucou@papiercarbone.be et si possible, révéler l'identité de notre invité mystère. Dernier indice. C'est une star locale de la bande dessinée. Tout à fait. Et de l'illustration. Ouais, effectivement. Est-ce que ce ne serait pas plus. Le rédacteur en chef de Confinement Magazine? Ah si, mais là, je pense qu'on commence à donner vraiment beaucoup d'indices. Bref, vous l'avez compris, n'hésitez pas à participer si vous avez envie de gagner ces fanzines. Si, comme nous, vous aimez les concours. Voilà, second concours, vous pouvez gagner un kit de papeterie chez Corinne. Corinne. Bon, ouais, bref, vous avez compris. Corinne-vent-des-trucs.fun. Point fun, surtout. Est-ce qu'on avait un autre concours? Il y avait des différences. Ah, mais si, non, évidemment, il y avait un masque à gagner. Ah, chez les Tontons Racleurs. Alors, bonjour, @lestontonsracleurs.be. Et puis, l'adresse est super sécurisée. Il y avait aussi Studio Artus. Tout à fait. Et là, il fallait liker une photo sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, il y a vraiment de quoi se faire un petit cadeau. Est-ce qu'on a oublié un autre concours? Je pense pas. Pas l'impression. J'ai pas l'impression. Alors, on va entamer une nouvelle session, et donc là, on va être dans des univers un petit peu plus planants, un petit peu plus psychédéliques, deux projets différents. On va d'abord accueillir le Super Coherent Printing Company, nos amis de Marseille. Je pense que là, c'est Pierre et Grégoire qui s'y sont collés, on les salue, c'est des anciens résidents du Vecteur également. Qui ont un super boulot et ils avaient déjà fait un petit film de cinéma d'animation un peu selon la même recette la dernière fois donc pour le premier TV Carbone. Donc là ici ils ont remis le couvert, vous allez voir, toujours très très chouette. Et on va enchaîner avec un morceau de Jacques Fauville. Alors là on est aussi dans Copinage. Jacques Fauville, c'est mon cousin. J'en profite pour le saluer. 100% et, copinage. Là, ici, il nous présente une vidéo dans le cadre du collectif Synesthésie qu'il partage avec Sarah Debove. Et donc là, un petit moment de musique. Une musique expérimentale, je dirais. Plutôt expérimentale. Il y avait un truc que je voulais dire et je retombe plus dessus. Dès lors, je propose qu'on lance la prochaine séquence et j'espère retrouver ce que je voulais vous dire après. Ah, je sais ce que je voulais vous dire après. Mais tu vas dire maintenant que le générique, la chanson du, la musique du générique de cet épisode est une création originale de Johnny Superglue qui nous avait fait le live du premier épisode sur des dessins de Céleste, notre super stagiaire souriante que et vous avez de tout à l'heure. Marine. Donc voilà. Donc ça c'était la petite minute. Générique. On lance les contenus suivants. C'est parti! Mmh.
Et nous revoici. Alors, voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. C'est déjà la fin de l'émission. Ouais. Une fois de plus, on tient à remercier grandement tous les artistes qui nous ont envoyé des contenus. On tient de nouveau à encourager tous nos téléspectateurs à se procurer les contenus de ces artistes et à les soutenir, parce que la situation n'est toujours pas beaucoup plus rigolote que ce qu'elle était il y a quelques semaines pour eux. Et pour, Il y a quelques mois même. Oui. En fait. Donc n'hésitez pas à aller acheter des disques un peu à tout le monde, acheter des fanzines, acheter des images, des photos. Ou juste leur envoyer un message pour leur dire que vous les aimez. Ouais, allez, si vous n'avez pas forcément des sous à consacrer à ça, parce que c'est un peu difficile pour vous aussi, ben, au moins allez soutenir, partager leur travail. Je pense que voilà. Alors, si vous avez envie de gagner un fanzine, je pense qu'il y a un indice assez massif quelque part dans l'écran ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Coucou, @papiercarbone. Donc, un trio de fanzines à gagner et un fanzine également. Et puis, on remercie Céleste pour toute la gestion de la technique qu'elle a fait ce soir. C'était parfait. Un plan qui s'est déroulé sans accroche. Il nous reste à vous laisser avec Tina Turner. Notre petite surprise musicale de la soirée. Je pense qu'il s'agit d'un croisement entre Tina Turner et Yvette Turner et Tina Turner. En tout cas, c'est... Et Tony Turner, il est où alors avec tout ça? Bah, je sais pas. Peut-être la fois prochaine, on verra. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. Oui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une joyeuse rentrée si ça vous oui. avez l'occasion de rentrer à l'école. Et des bonnes fêtes de Wallonie là derrière moi. Ah non, ça c'est. Pardon. Voilà, gros bisous, buvez du terricola et à la prochaine. Ah ouais. Ça, c'est un peu le faux effet, c'est quand j'ai pas mis le bouton. Ok, on y va. À la prochaine! Le réveil sonne, il est l'heure pour toi d'aller travailler. La République te raisonne, montre-lui donc un peu de loyauté. Pour des noisettes, pour des pommes, tu vas devoir encore t'acharner. J'en connais plein qui vont bien pouvoir en profiter dans leur piscine chauffée sur les hauteurs de Saint-Tropez. Tu pourras te remercier de les avoir laissés te glisser un billet pour la fin d'année. Allez, au boulot. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe? Toc toc, c'est nous, on se ramène. On va venir faire la fête à l'Élysée. Les flics, les vigiles et l'armée viennent tout juste de démissionner. Quand nous serons les reines du jour et de la nuit, même du JT. La piscine chauffée sera bien vite rebouchée, le petit billet de la fin d'année aussitôt dépensé. Les pommes, les noisettes serviront pour une belle recette qui nous rappellera nos grandes conquêtes. Les pommes, les noisettes serviront pour une belle recette qui nous rappellera nos grandes conquêtes.
PV Carbone. 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 PV Carbone.